Je me présente, je suis Abdelhaq El Yaqoubi, professeur de matière sciences d'ingénieur au lycée technique Al-Farabi de Salé. Pendant cette séance, Inch'Allah, nous allons réviser ensemble un chapitre important faisant partie de l'unité ATC programmée pour les premières années sciences et technologies électriques. Pour ce faire, on va commencer par la situation problème suivante. Nous avons ici un système composé d'un moteur et d'un système permettant de monter une charge et ce système donc est composé de moteurs comme on a dit et d'un système vesicrou pour convertir le mouvement de rotation en translation. Remarquez bien, lorsque je donne l'énergie au moteur, ça veut dire je vais maintenant donner 12 volts au moteur. Le moteur il fonctionne avec 12 volts. Alors je vais donner 12 volts. Regardez ce qui va se passer. Voilà, il y aurait monté. Le moteur tourne dans un sens pour monter. Maintenant, j'inverse la tension que je donne au moteur et on remarque bien, voilà, je change le sens, on remarque bien que le monte charge descend. Et donc, lorsqu'on donne une tension positive, elle monte. Lorsqu'on donne une tension négative, elle descend. Maintenant, on ne va pas commander le système de cette façon, mais on va le commander avec ça. Nous avons ici deux relais qui vont donner la tension au moteur et ces deux relais vont donner la tension positive si on veut monter et la tension négative si on veut descendre. Voilà donc la commande, ça veut dire ici le distributeur qui permet de donner l'énergie au moteur et ce distributeur il est commandé avec ces deux boutons poussoirs. Bien sûr, il y a ici un interrupteur qui va donner l'énergie à l'ensemble. Donc, en appuyant sur l'interrupteur, le système démarre et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, il répond et le système monte. Remarquez bien qu'il monte. Maintenant, j'appuie sur le bouton de descente, alors il descend. C'est bien. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, regardez ici, si l'utilisateur appuie sur le bouton pour monter et continue à monter, alors si le système arrive à sa fin alors que l'utilisateur est encore en appui sur ce bouton, le système va arriver à sa fin de course et il va déborder et il peut causer des dégâts. Donc, il faut résoudre ce problème et pour résoudre ce problème, on doit utiliser ici des capteurs de fin de course. Vous l'avez déjà vu en cours des capteurs et donc les capteurs qu'on va utiliser ici ce sont des capteurs de fin de course. Les capteurs de fin de course seuls ne peuvent pas fonctionner, donc il faut les relier avec un circuit de traitement. Ce circuit de traitement c'est le circuit qu'on va étudier et c'est un circuit combinatoire parce que on va entrer au circuit logique l'état des LED l'état des boutons poussoirs. On va entrer au système les boutons poussoirs et aussi on doit entrer au système les boutons poussoirs suivants qui vont jouer le rôle de capteur fin de course. Alors, je vais insérer celui-là ici. Je vais le mettre ici.
les deux fils de l'interrupteur ou du bouton poussoir qui va détecter la fin de course. Donc voilà, celui-là sera ici et celui-là sera ici. Et donc, les deux capteurs plus les deux boutons doivent participer à l'entrée pour décider est-ce qu'on va monter ou descendre. Si on monte alors que celui-là est appuyé, donc il va arrêter ou le système doit arrêter. Pour remplir la table de vérité, nous devons donc respecter le cahier de charge suivant. Nous avons ici le fonctionnement ou comment doit être le fonctionnement. Nous avons ici CM égale 1, D égale 0 et H égale 0. Alors MO égale 1 et DE égale 0. Et dans ce cas, on aura monté. Si D égale 1, M égale 0 et B égale 0, alors MU égale 0 et DE égale 0. Et dans ce cas, on aura descente. Autrement, ça veut dire si on n'est pas ici ou on n'est pas ici, alors on a ce cas. Et dans ce cas, on a MU égale DE égale 0. Et donc, il n'y aurait ni montée ni descente. Alors, on va exploiter ça pour remplir la table de vérité. Si M égale 0, D égale 0, H égale 0 et B égale 0, alors quel est l'état de MO et DE? Et donc, si M égale 1, c'est D égale 1, ici, on n'est pas dans ce cas ni dans ce cas, donc ici automatiquement il y aurait MO égale 0 et DE égale 0. Donc lorsqu'on remplit la table de vérité, on aura ça. Voilà, maintenant la table de vérité, elle est remplie et remarquez bien que les deux cas pour monter où on a 1, c'est pour cette combinaison. Et pour cette combinaison, on a 1, 1. Autrement, ce sont tous des zéros. Pour le cas de DE, si on a... Enfin, pour le cas de DE, on a ces deux combinaisons où il y a 1. Voilà la combinaison, la première combinaison, la deuxième combinaison. Et donc, voilà la table de vérité. Et on va exploiter la table de vérité pour trouver les deux équations de MO et DE. Bien sûr, MO sera en fonction des variables d'entrée M, D, H, B. Et la même chose, DE sera en fonction des variables d'entrée M, D, H et B. Voilà donc, puisqu'on a quatre combinaisons, on doit donc avoir six, on a quatre variables, on doit avoir six combinaisons. Et pour donc simplifier les équations, trouver les équations et les simplifier, on utilise le tableau de Carnot. Voilà les deux tableaux de Carnot. Celui-là, c'est pour la sortie MO et celui-là pour la sortie DE. Et donc, on doit les remplir à partir de la table de vérité. Voilà, maintenant, je vais passer aux tableaux qui sont déjà remplis. Voilà, on a rempli les tableaux à partir de table de vérité. Et
Pourquoi on a utilisé les tableaux de Carnot? C'est pour avoir les deux équations MO et DE simplifiées. Donc on doit procéder à la simplification ici et ici. Et pour faire ça, il faut chercher les cases symétriques. On remarque bien que ces deux cases qui ont un, elles sont symétriques et donc elles sont regroupables. Et lorsqu'on les regroupe, on aura une équation simplifiée. La même chose pour DE. Nous avons ici 1 et ici 1 et ils sont symétriques. Donc, on peut les regrouper et simplifier aussi DE. Alors, en les regroupant, voilà, ils sont regroupés ici, ici. Et pour MO, la même chose, ils sont regroupés ici. Et donc, remarquons la variable qui change entre le groupement. La variable qui change ici en passant de cette case à celle-là, c'est la variable qui est là, c'était 0 et ça devient 1. Et donc, il sera simplifié. Ce qui fait, on aura comme équation de MO, M débarre. Celui-là, il va disparaître, il reste H bar. Donc, on aura comme équation M D bar H bar. Pour le cas de DE, nous avons ces deux cas symétriques et nous avons ici, ça ne change pas, mais ici, en passant de cette case à cette case, on a cette variable qui change. C'était 0, ça devient 1. Et donc, il sera simplifié. Ce qui fait, on aura DE égale M bar D. Et ici, c'est B bar qui reste. Alors que H, il va disparaître. Donc, on aura comme équation DE égale M bar D, B bar. M bar D B bar. Voilà les équations qu'on a déjà trouvées. Les voilà. MO égale M D bar H bar. DE égale DM bar B bar. Maintenant qu'on a trouvé les deux équations, alors on peut tracer le circuit logique qui est appelé aussi logigramme. Ce circuit logique, le voilà. Donc la sortie MO, la sortie DE et les quatre variables d'entrée MD, H, B. Pour cette équation, donc voilà M qui entre à une porte E, D inversé qui devient D bar et H inversé qui devient H bar et donc l'ensemble va donner MO égale M D bar H bar. La même chose pour DM bar B bar. D n'est pas inversé, il passe directement à la porte E et les deux M bar et B bar ils sont inversés, ils passent à la porte E et donc on aura DE. Voilà donc le circuit qui est réalisé avec des portes logiques, portes logiques inverseuses, portes logiques AND à trois entrées. Bien, maintenant on a le circuit. Seulement, nous disposons seulement des circuits logiques qui ont deux entrées. Ce n'est pas trois sorties. Ça veut dire que nous disposons d'un circuit logique qui contient seulement des portes logiques à deux entrées. On n'a pas celui-là. Donc, comment transformer les équations ou transformer le schéma pour que on utilise seulement des portes logiques à deux entrées? Aussi, on n'a pas les inverseurs.
mais on a des portes NAND et on a des portes E à deux entrées. Donc l'équation sera transformée pour avoir seulement des portes à deux entrées. Voilà le schéma qui est transformé et qui devient, qui utilise seulement des portes à deux entrées. Celui-là est une porte NAND. Lorsqu'on relie ces deux entrées, ça devient un inverseur. Donc voilà, les portes NAND, ils inversent. Et donc ici, il y a des barres, ici, il y a H-bar, et bien sûr, ici, M-bar, ici, c'est B-bar. Après, lorsqu'il entre dans cette porte E à deux entrées, on aura ici comme expression D-bar et H-bar. Il reste à faire le E avec M pour avoir ça. Donc, D-bar, H-bar, ils sont là. Et le E avec M qui est là. Et donc, voilà le circuit qui utilise seulement des portes à deux entrées. La même chose pour DE. Nous avons ici cette sortie égale M bar B bar et sera effet, il y aurait le E logique avec M qui donne DE. Voilà donc le circuit et ce circuit c'est le résultat de l'étude qu'on a fait et donc il reste à câbler ce circuit pour fonctionner dans le système et pour faire la protection et résoudre le problème qu'on a vu tout à l'heure. Alors, voilà, on va les monter et aussi monter le circuit combinatoire qu'on a vu ou qu'on vient de réaliser. Maintenant, on a branché le circuit qu'on vient de réaliser. Remarquez bien qu'il y a ici deux circuits intégrés. Le circuit intégré CD4011 qui contient quatre portes NAND et le circuit 4081 qui contient quatre portes E. Voilà les quatre entrées. Celui qui est en vert, c'est M pour demander la montée. Celui qui est en jaune, c'est D. Ensuite, celui en blanc, c'est H. Et celui en jaune, c'est B. Les quatre entrées des capteurs d'une part et des deux boutons poussoirs d'autre part. Voilà donc les deux sorties MU et DE. MU, c'est donc pour donner l'ordre de monter et DE, c'est pour donner l'ordre de descendre. Et donc voilà, le système maintenant, il est protégé parce qu'il y a les fins de course et il y a la carte qui permet de décider si on monte ou on arrête. Alors maintenant, je vais mettre le système sous tension. J'appuie sur descente. Remarquez bien, ça arrive à la fin de course. Il appuie maintenant sur la fin de course. Voilà, ça s'arrête, même si je continue à appuyer sur le bouton poussoir. Maintenant, pour le cas de montée, voilà, je vais monter. Et aussi, pendant la montée, il y a le capteur fin de course HOT qui va détecter l'arrivée à la fin. Et donc, on attend. Voilà, maintenant il est en train de monter. Et encore, j'appuie. Voilà, ça s'approche de capteur. Voilà, maintenant il appuie sur le capteur. Il doit arrêter. Voilà. Ça s'arrête et donc la protection elle est faite grâce à ce circuit combinatoire.
C'est ainsi que se termine cette séance. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Je vous souhaite la réussite et la progression. Et je vous conseille de réviser vos leçons et de suivre les cours qui sont télévisés. Merci et à la prochaine.